Dans un repère orthonormé, combien de points du cercle de centre 0,0 et de rayon 5 ont leurs coordonnées entières? Dans ce système de référence orthonormée, traçons le cercle en question, dont l'équation cartésienne s'écrit x au carré plus y au carré est égal à 5 au carré. Donc, le y, c'est plus ou moins racine carrée de 25 moins x au carré. Concentrons-nous sur le premier quadrant et rédigeons un tableau de valeurs. Dans le premier quadrant, la première valeur pour x est 0. Et si x est égal à 0, alors y est égal à la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Donc nous avons déjà ce point-là. Et si x est égal à 1? Déjà dans le dessin, nous voyons que si x vaut 1, le y n'est pas un nombre entier. Ça se voit aussi ici. Si x est égal à 1, alors y, c'est la racine carrée de 24. Donc pour 1, l'ordonnée n'est pas entière. Pour 2 non plus d'ailleurs. Ça se voit ici. La racine carrée de 21 n'est pas un nombre entier. Mais ça se voit aussi dans le dessin. Si x vaut 2, alors le y n'est pas entier. Par contre, si x est égal à 3, alors le y, c'est la racine carrée de 25 moins 9, c'est-à-dire la racine carrée de 16, c'est-à-dire 4. Ça se voit aussi dans le dessin. Si x vaut 3, alors y vaut 4. Idem, si x vaut 4, alors y vaut 3. D'où ce point-là. Et puis encore le quatrième point, si x est égal à 5, alors y est nul, d'où ce point-là. En plus de ces quatre points, nous obtenons ces huit points-là par symétrie. Par conséquent, en tout, nous avons 12 points du type demandé. C'est donc le D, la bonne réponse. Nous répondons à la question suivante lors du tutoriel suivant.